감사합니다. Merci. 88년도에 우리나라에 올림픽이 열렸죠. En 1988, il y avait les Jeux Olympiques en Corée. 우리 교회가 그때 이제 막 시작을 할 때였습니다. C'est à ce moment-là que notre église a commencé. 87년 말에 왔으니까요. Je suis venu ici en 한창 시작을 할 때죠. À la fin de l'année de 1987, c'était en 88, nous avons vraiment commencé le ministère. 지금 다 돌아가셨는데 우리 김병지 권사 이런 분들이 막 기도하고 막 이렇게 할 때예요. Il y avait la diaconesse Kim Pyeong-ji et d'autres membres qui priaient beaucoup alors qu'ils sont tous décédés. 총장이지요. 근데 학장, 부인, 이동희 권사 이런 분들이 et aussi la diaconesse Idong-hi. 승가대 수열 지도하고 이렇게 해서. Elle était aussi femme de doyen de l'université maritime ici et puis elle était en fait le chef de de la chorale à l'époque. Et en fait, ces responsables d'église sont venus me demander quelque chose. J'ai demandé, qu'est-ce que c'est? Alors, avec les diaconesses, notre groupe de femmes, alors nous voulons partir en voyage avec vous. Non, elle voulait pique-niquer avec moi. Nous sommes allés ensemble à Miriam. 그 여러분도 아시면 이동희 권사님 사람 참 얌전하게 이렇게 생겼거든요. La diaconesse Idong-hi, elle était vraiment une femme très très calme. 나보고 하는 말이 목사님 오늘. Elle m'a dit. 우리가 늘 찬송만 불렀는데. Pasteur, aujourd'hui. 오늘은 차다 왔다 하면서 좀 세상 노래 부르면 안 되겠냐 물어보는 거예요. C'est un jour spécial. Est-ce qu'on peut chanter les chansons? Oh, populaire à la place des louanges aujourd'hui. J'étais d'accord, faites ça. J'étais très étonné. Elle chantait trop bien. J'ai failli être tenté par elle. Pourquoi? Mais leur, j'ai vu leur visage. Wow, elle était vraiment en joie, beaucoup plus quand elle chantait des louanges. Nous sommes allés à Midian. Et nous avons loué le Seigneur ensemble, nous avons mangé ensemble. Il y avait trois femmes qui sont venues faire du chamanisme, en fait. Et elles sont venues nous voir. Ils étaient en train de faire des exorcismes, séance d'exorcisme, et ils ont demandé, alors, est-ce que vous pouvez aller ailleurs? Ils m'ont demandé de partir. Je dis, mais est-ce que le terrain vous appartient? Ils disent non. Ils disent non, mais pourquoi nous devons partir? Nous devons faire la séance d'exorcisme parce que vous êtes là, vous êtes chrétien, vous êtes là. Alors, nos esprits ne viennent pas nous visiter, mais nous avons fait exprès de rester jusqu'au bout. Alors, ces trois femmes sont parties avec leurs affaires au milieu. La semaine dernière, le Seigneur nous a donné la parole qui s'intitule « Vous êtes le temple de Dieu ». Pourquoi le temple de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est ça la seule différence. Je suis désolé de le dire, mais dans le cœur des non-croyants, il y a les ténèbres et puis Satan qui demeure, mais nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous sommes sauvés. Donc, ce n'est pas la peine d'être découragé ni d'avoir peur. Malgré tout ça, l'Église de Corinthe avait beaucoup de conflits. Alors, Paul a écrit aux Corinthiens. Il y avait beaucoup de groupes comme ça au sein de l'église
de Corinthe. Nous pouvons devenir comme ça aussi dans nos groupes. Nous pouvons être vraiment faire des parties centrées sur les hommes au lieu d'être centrés sur Dieu. Donc c'est pour ça que Paul a dit. Est-ce que vous avez été baptisé en mon nom, au nom de Paul? Est-ce que vous avez été baptisé au nom de Pierre? Est-ce que vous avez été baptisé au nom d'Apollos? Vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi nous avons besoin des groupes ou de parties? Et en même temps, il a donné un message important aujourd'hui dans le passage d'aujourd'hui. Verset 1. Nous qui sommes ainsi, on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est important. La semaine dernière était important comme message. Et vous êtes le temple de Dieu. Votre terrain est aussi le temple de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, un sacrifice vivant. Et encore quelque chose au-delà aujourd'hui. Alors, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il faut que les gens disent que vous êtes les dispensateurs des mystères de Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu, mais il faut que les gens du monde nous considèrent comme les dispensateurs des mystères de Dieu. Ce qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Il ne faut pas que les gens disent que tu fais partie de Paul ou de Pierre ou d'Apollos, mais tu es le dispensateur des mystères de Dieu, les serviteurs de Christ. Il y a la réponse que vous devez saisir ici. Dimanche, quand vous venez à l'église, il faut retourner avec la réponse à travers les messages. Quand il y a des problèmes, il faut trouver la réponse par rapport aux problèmes, n'est-ce pas? Quelle réponse vous allez amener avec vous? Moi et toutes les personnes que je rencontre, c'est changer le destin de ceux qui sont autour de moi, y compris nous-mêmes. Il faut changer le destin de la personne que vous rencontrez. Il faut changer son destin. En vous voyant. Ah, c'est le serviteur de Christ. C'est le dispensateur des mystères de Dieu. Par exemple, en voyant Joseph, qu'est-ce que Potiphar a dit? Ah, l'Éternel est avec toi, dans tout ce que tu entreprends, c'est fini. Quand il croit vraiment en cela, le destin de Joseph, de Potiphar et de sa famille change complètement. Il y a des gens qui travaillent pour vous, alors leur destin doit changer à travers vous, n'est-ce pas? Ou à cause de vous. À cause de vous, votre famille, le destin doit complètement changer. C'est important, n'est-ce pas? Pharaon a dit, donc seulement il a dit que Dieu était avec lui, mais il a dit que je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait en lui l'esprit de Dieu. C'est ça. Il est devenu, il a nommé comme gouverneur d'Égypte. C'est le roi qui voulait, donc personne ne pouvait dire non. Donc plus important que ça. Alors, tout le peuple ne pourra jamais bouger un doigt ou un pied. Si ce n'est pas par toi, j'ai seulement une chose plus que toi. C'est que je suis le roi, c'est tout. Mais tu peux gérer l'Égypte comme tu veux. 완전히
Le destin de l'Égypte était complètement changé à travers Joseph. Le roi Saül, qu'est-ce qu'il a confessé de David, même s'il voulait le tuer tout le temps? Dieu, l'Éternel va te bénir. C'est ce que Saül a dit. Alors, il a tout fait pour suivre David pour le tuer, mais en fait, à la fin, il a confessé, il a regretté, il a dit, c'est l'Éternel qui te bénira. Alors, il faut louer l'Éternel de Shadrach, Meshach et Abednego. Il faut louer l'Éternel que Daniel croit. C'est ce que les non-croyants ont dit. N'est-ce pas important? Il faut changer le destin des personnes que vous rencontrez par l'œuvre étonnante de Dieu. C'est ça. C'est à partir de là que vous allez comprendre la prière. Si vous comprenez la prière, vous allez comprendre ce que c'est, les choses qui concernent le royaume de Dieu et puis ce que ça veut dire le trône. Si vous ne connaissez pas la prière, comment est-ce que vous pouvez savoir? Si vous connaissez la prière, vous allez pouvoir transcender le temps et l'espace. Si vous connaissez la prière, vous allez comprendre ce que c'est les 200 transcendations. Vous pouvez vous réjouir de cela. Si vous ne connaissez pas la prière, allez à toute une nation, allez dans le monde entier et jusqu'au bout du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Mais en fait, si vous ne comprenez pas cela, Jésus a dit quelque chose d'incompréhensible. Si vous connaissez l'univers spirituel, vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est là que vous allez avoir la réponse sans précédent et jamais répétée. Quand? Premièrement, quand la puissance du Christ se manifeste, quand la puissance du Christ se manifeste, ces choses étonnantes vraiment se manifestent. Qu'est-ce que ça veut dire le Christ? C'est le roi qui a brisé Satan. N'est-ce pas étonnant? C'est lui qui a changé tous les désastres, qui a changé le destin. Donc, c'est le vrai sacrificateur. C'est le prophète qui nous fait rencontrer Dieu, n'est-ce pas? C'est incroyable. Quand vous connaissez puissance, votre destin change complètement. C'est là que vous allez vous réjouir de la bénédiction du trône et en transcendant le temps et l'espace, vous allez pouvoir sauver les 203 nations. Alors, ça se réalise même maintenant, n'est-ce pas? Il faut croire. C'est le culte. Si vous ne savez pas le culte, vous n'allez pas triompher. Vous n'allez pas faire la mission mondiale. Qu'est-ce que c'est la prière? Qu'est-ce que c'est le culte? C'est le moment de pouvoir se réjouir de la puissance du trône. Je suis ici, mais vous allez rencontrer, vous allez voir les œuvres dures à travers les personnes que vous n'avez même pas rencontrées parce que ça transforme le temps et l'espace. Alors que vos études, vos entreprises vont seront connectées aux 203 nations. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous allez recevoir la réponse sans précédent, jamais répétée, que personne d'autre n'avait reçu avant. Et la puissance du Christ. Alors, c'est vraiment le serviteur de Christ. C'est ce que les gens doivent comprendre au devoir à travers vous. Parce que le Christ est la solution à tous les problèmes à travers vous. Les gens doivent comprendre les mystères de Dieu. C'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Genèse 3:15. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Ça veut dire que alors il a lié et brisé l'autorité de Satan. C'est vraiment magnifique. C'est quand cette puissance se manifeste, votre destin change. Quand vous mettez le sang de l'agneau, vous êtes complètement libéré.
Quand vous êtes les, ils étaient captifs à Babylone, la Vierge va donner naissance à un fils, on l'appellera Emmanuel. Cette confession est aussi identique à la confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est vraiment énorme. Ce n'est plus qu'un miracle, en fait. De pouvoir confesser ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé à Pierre? Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, lève-toi et marche. Alors, des choses se produisent comme ça, comme des miracles. Alors, ce Paul, lui, il était en train de courir pour aller arrêter les chrétiens, c'est là qu'il a rencontré le Christ. Paul s'est mis à genoux complètement devant le Christ. Il était vraiment intelligent. Il était instruit. Il connaissait bien la Bible. Il connaissait bien l'Ancien Testament. Et toutes les questions étaient complètement... Il a trouvé des réponses à toutes les questions. Donc, il est devenu apôtre du Christ. Alors, il a été commissionné pour aller arrêter les chrétiens en tant que juifs, mais tout d'un coup, il est devenu le disciple du Christ. Alors, Paul, est-ce que vous êtes pour Paul? Pour Apollos? Ou pour Pierre? Nous sommes les serviteurs de Christ. Serviteur. À l'origine, ça veut dire esclave. Je suis l'esclave du Christ. Mais reconnais-moi en tant que serviteur de Christ. Il a dit ça à l'église de Corinthe. Alors donc, il y a des églises qui sont en conflit aujourd'hui. Il faut trouver cette réponse. Les gens qui sont en conflit à l'église ne vont jamais réussir ailleurs. Alors vous allez recevoir cette bénédiction. La vraie bénédiction, où la bénédiction du trône survient, c'est quand vous voyez, quand il y a la puissance du Christ. C'est là que toutes les forces ténèbres sont complètement chassées. Deuxième, quand? Quand le mystère de Dieu est relayé. Quels sont les mystères de Dieu? Quels sont les mystères de Dieu? Regardez dans le passage biblique aujourd'hui. Alors donc on ne peut pas changer le monde avec les motifs des hommes comme... pour Paul, pour Pierre, pour Apollos, il faut avoir le motif de Dieu. C'est ça le mystère, n'est-ce pas? Il faut saisir le motif de Dieu, ça devient le mystère de Dieu. Ah, alors ces gens possèdent cela. Cette personne est bénie par Dieu, alors cette personne me fait connaître les mystères de Dieu, c'est la chose la plus importante. Alors, il vaut mieux parler de la parole de Dieu, même aux non-croyants. Alors, j'ai jamais demandé aux gens, est-ce que vous avez déjà été à l'église? Bon, s'il y en a qui ont été déçus par les églises, ça va même bloquer la porte. Alors, ils ne vont pas écouter l'évangile. Dieu m'a envoyé ici pour que je puisse parler de l'évangile. Pourquoi Dieu vous envoie ici? Pour que vous soyez sauvés. C'est la parole de Dieu que je dois relayer ici. Ça a une grande force devant les non-croyants. Les non-croyants semblent ne pas croire, mais en fait, ils sont en train d'observer. Ils semblent vous persécuter, mais ce n'est pas ça. Dans les grandes difficultés, ils vont venir vous voir. Si vous venez vraiment la marche chrétienne de façon médiocre ou alors approximative, alors, ils sont contents d'être avec vous,
Mais ils ne reconnaissent pas votre foi. Alors les non-croyants doivent reconnaître, n'est-ce pas, votre foi. Le motif de Dieu. Alors, Pharaon était vraiment inspiré ou ému par Joseph. Parce qu'il lui a posé la question, est-ce que tu sais interpréter mon rêve? Et Joseph a dit, non, je ne peux pas interpréter votre rêve. Alors, pourquoi alors je t'ai appelé pour cela? C'est là qu'il a donné une réponse vraiment excellente. C'est l'Éternel qui me fera connaître, en fait, votre rêve. C'est l'Éternel. Au lieu de dire, moi je fais, je dis, c'est l'Éternel qui me fera connaître, qui me fera interpréter votre rêve. Qu'est-ce qui est plus puissant? C'est là que Pharaon était complètement ému par cela, et puis il s'est mis à genoux, il a parlé de son rêve. Il a les dispensateurs des mystères de Dieu. Pas les motifs de l'homme, mais il faut vous saisir les motifs de Dieu. Vous allez voir l'œuvre de Psaume 103, 22, n'est-ce pas? Les armées célestes sont mobilisées, c'est dans la Bible. C'est là qu'il envoie ses anges. Les gens ne savent pas, les gens du monde ne savent pas, même les pasteurs ne croient pas en cela, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas croire. Ils ne connaissent pas la prière. Les gens disent, pourquoi je parle des anges? Alors, je me dis, oh mon Dieu, ils ne savent pas ce que c'est la prière. La prière, ça fait vraiment bouger le trône des cieux, ça transcende le temps et l'espace. C'est à travers la prière que nous pouvons sauver les 237 nations. Vous allez recevoir la réponse sans présence, jamais répétée, à travers la prière. Quand vous témoignez de la puissance du Christ, quand les mystères de Dieu se manifestent, David a fait cette confession. 그렇죠? N'est-ce pas? 하나님의 말씀을 이루는 능력 있는 너희 천사여. Bénissez l'Éternel. Alors, vous, ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. 뜻이 이루어지는 것은 너희 천군이여. Et bénissez l'Éternel, vous, toutes ces armées qui êtes ses serviteurs et qui vêtent sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ces œuvres dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Les gens ne comprennent pas cela parce que c'est des choses spirituelles. Les gens ne pensent même pas, mais les gens pensent seulement aux choses physiques, comme de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi manger, comme des cochons. Mais les hommes ne peuvent pas vraiment vivre seulement pour manger, nous sommes des êtres spirituels. Dans votre famille, dans votre entreprise, il faut que toutes les forces ténèbres soient combattues et que le royaume de Dieu vienne sur votre entreprise, sur votre famille pour pouvoir triompher. Il y a beaucoup de grandes puissances. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles n'ont fait que des guerres. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Alors Dieu leur a donné l'évangile et ils ont fait complètement autre chose. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans les problèmes. Qu'est-ce qui est écrit aujourd'hui? Ceux qui possèdent les mystères de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont aussi vu l'œuvre de l'Exode. Les gens qui possèdent les motifs de Dieu, ils pouvaient diviser, le Jordan et aussi faire tomber Jéricho. Ce n'est pas des miracles, c'est évident. C'est sûr. La construction de notre temple va laisser beaucoup d'œuvres, beaucoup de témoignages, n'est-ce pas? Il faut prier pour cela. Verset 3. Alors, donc, pour moi, c'est vraiment pas important d'être jugé par vous, par les autres. Il faut. Alors, faire attention à cela. Donc, pour moi, il m'apporte fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Ce ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens
coupables de rien. Ce n'est pas parce que nous n'avons, nous sommes pas coupables que est-ce que nous devenons justes. C'est parce que je n'ai pas fait d'erreur, il n'y a rien à me reprocher et puis je deviens juste. C'est Dieu qui nous juge seulement. C'est expliqué dans le passage biblique aujourd'hui. Alors, il ne faut rien juger avant que le Seigneur revienne. Pourquoi ? Et c'est parce qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Il faut vraiment vous souvenir de ça. À cause de vous, les gens doivent changer leur destin. Il faut que le destin des ténèbres change, sinon on ne peut pas changer le terrain. Changer le destin des personnes qui vous rencontrent. N'est-ce pas ? C'est comme ça que le Seigneur nous a bénis. Troisième. Alors, ce qu'il demande, c'est quoi ? C'est être fidèle. Alors, ce qu'ils sont des dispensateurs, ce qu'ils nous demandent aux dispensateurs, c'est d'être fidèle. Ça veut dire quoi ? Et nous sommes des croyants qui ont le plan absolu de Dieu. C'est là que nous voyons les œuvres de Dieu. C'est pas vrai pour vous ? Même dans ces petites entreprises, les gens qui ont, à qui le patron fait ou l'entreprise fait confiance, c'est à ces personnes-là qu'on donne des projets. Quel patron va confier un projet important à un escroc? Et même s'il avait fait ça comme ça inconsciemment, il va le reprendre pour l'entreprise des dispensateurs. C'est important. Des dispensateurs. Si vous saisissez le plan absolu de Dieu, vous n'avez pas le choix que de voir les œuvres de Dieu. Par la suite, ce que je peux faire pour vous, la seule chose, pourquoi nous, pourquoi nous nous sommes rencontrés à l'église Emmanuel, pour le mouvement Tarakpan, quel est le plan de Dieu? Il faut poser la question là-dessus. Les gens qui connaissent seulement, n'est-ce pas? Ça va pouvoir tout restaurer, tout ce que nous avons perdu à cause de Satan. Alors, ce qu'on demande au dispensateurs, c'est la fidélité. Être fidèle, ça veut dire quoi ? Qui ont trouvé la valeur pour vraiment miser leur vie, c'est ça la fidélité. Trouver la raison pourquoi il faut miser la vie. Donc on peut risquer la vie pour ça. Il faut aller à ce niveau-là, n'est-ce pas ? Quelque chose qui n'est pas vraiment sûr. Pourquoi nous devons miser notre vie pour ça ? Est-ce que nous allons miser notre vie pour aller pique-niquer ? Non. Donc il faut trouver la valeur absolue pour ça. C'est là que vous allez voir l'œuvre de Dieu qui va complètement changer tous les destins. Conclusion. Aujourd'hui, vous devez poser cette question. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans ma famille? Il faut trouver la réponse par rapport à ça. Pourquoi nos enfants ont des difficultés spirituelles? Vous pouvez trouver la réponse par rapport à ça aujourd'hui. Alors, pour qu'ils deviennent les figures principales qui résolvent les problèmes, résolvent les problèmes spirituels. Comme Anne Sullivan. Elle était mentalement malade. Elle est allée à l'hôpital. Tout le monde était vraiment approximatif. Il y avait un enseignant qui l'a aidé jusqu'au bout. Cette personne n'a jamais abandonné.
Alors, cet enseignant l'a aidé jusqu'au bout et puis elle a été complètement transformée. Son destin a été complètement changé. Elle a reçu la guérison. Et après, elle a compris. Et moi, je dois faire le ministère de guérison toute la vie. Elle a vraiment compris ça. Elle a commencé à travailler à l'hôpital. C'est là qu'elle a rencontré Helen Keller, n'est-ce pas? Les parents d'Helen Keller étaient contre ce ministère. Et les parents disaient qu'ils connaissaient bien la fille. C'était leur fille. Elle n'a jamais été trompée par ça. Elle est allée jusqu'au bout. Et à la fin, sa mère était en colère. Pourquoi tu fais du mal à ma fille? Elle ne comprenait rien. Qu'est-ce que tu sais? Je connais bien ma fille, c'est ma fille. Pourquoi tu fais ça à ma fille? Elle ne connaissait pas l'univers spirituel, elle ne connaissait pas la force. Elle connaissait pas la force spirituelle. À la fin, elle dit de ne pas plus venir chez eux. C'était comme ça. Anne Sullivan n'a jamais abandonné. Parce qu'elle connaissait l'univers spirituel. Finalement, elle a fini par la guérir. N'est-ce pas? Helen Keller est devenue en fait docteur. Il faut trouver la réponse. Pourquoi Dieu a donné une personne handicapée dans la famille? C'est pour évangéliser les personnes handicapées dans le monde entier. C'est pour ça que Dieu a donné le signe. Des parents d'un enfant handicapé m'a écrit. Il y a une association. Ils sont allés se retrouver dans cette association. Il y avait des réunions. Et elle m'a dit quelque chose qui a touché mon cœur. Alors, tous ceux qui se consacrent dans cette association, c'était tous moines bouddhistes. Il n'y avait pas de pasteur du tout. Les pasteurs ne vont pas là-bas. Alors, donc, les enfants doivent être guidés par les moines bouddhistes. C'est incroyable. Ouais, elle dit, qu'est-ce que nos enfants vont devenir? C'est vraiment quelque chose qui est... Qui est vraiment... qui fait mal au cœur parce que les parents veulent mourir après leur enfant. Parce que bon, ils ont peur que l'enfant reste seul. Donc les églises ne sont pas intéressées par cela. Les gens ne connaissent que des choses physiques à l'église. Donc, dans l'univers spirituel, les chrétiens sont battus. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Il faut prier pour ça. Il faut faire ce que Dieu désire. La plupart des gens sont impuissants, ils sont malades, ils sont en difficulté. Aujourd'hui, il faut trouver la réponse. C'est là que j'ai trouvé la réponse. Je n'ai pas appris à évangéliser à l'école ou dans la région, dans la vie, à travers la parole de Dieu, j'ai compris. Et j'ai vraiment prié pour ça. Pourquoi l'homme doit mourir et vraiment doit être malade et doit souffrir même avant de mourir? Pourquoi les enfants de Dieu doivent être si pauvres et ne pas faire le mouvement évangélique, être vraiment les esclaves des non-croyants? L'Église doit évangéliser le monde. Pourquoi l'Église ne parle que des gens et puis on meurt? J'ai compris cela et Dieu a commencé à me donner des réponses. Ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, le destin de toutes les personnes que vous rencontrez, c'est Dieu qui va faire, qui va vraiment agir pour changer le destin des personnes que vous rencontrez. Que cette œuvre commence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions.
오늘이 중요한 날이 시작되었습니다. 그야말로 그리스도의 비밀, 하나님의 비밀이 전달되게 해 주옵소서. Que les mystères du Christ, les mystères de Dieu soient transmis. 나와 현장의 사람들의 운명이 바뀌는 역사가 일어나게 하옵소서. Du terrain change par tes œuvres, Seigneur. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Au nom de Jésus-Christ. Amen.